Modifier les attributs des zones de texte peut être long et fastidieux. Si vous utilisez fréquemment les mêmes attributs de texte, la création de styles de zones de texte permet de gagner en efficacité. On ouvre la galerie Mimio Studio. On affiche le dossier contenant les styles. On fait glisser dans la page le style de zone de texte désiré. On active la zone de texte par un double clic. On sélectionne la lettre A et on tape le texte. Pour utiliser un autre style, il suffit de le choisir dans la galerie. Si on désire retrouver les attributs précédents, on prend à nouveau le style correspondant. La création de ces styles est très facile. On prend l'outil texte, on tape une lettre ou un espace, par exemple la lettre 1, on sélectionne la lettre et dans la barre d'édition, on sélectionne les attributs désirés. Police, comics sans MS, taille 28, mise en gras et la couleur orange. On ouvre la galerie. On crée un dossier, que l'on nomme texte par exemple. On fait glisser la zone de texte dans le dossier de la galerie. On fait un clic droit sur l'élément ajouté dans la galerie. Et dans le menu contextuel, on choisit Propriété. On donne un nom explicite pour retrouver facilement le style. On modifie les attributs de la zone de texte pour créer un nouveau style.